السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه بخير؟ ايه اللايف؟ اللايف 17 quand ça Ouais, ça commence. va, écoute. Vas-y, ça comme Ibrahim, vas-y, continue, C'est on bon, écoute. dis-moi. Je sais pas, je crois que j'avais des problèmes de connexion, c'est bizarre. Hein. Ouais, bah, tu es free, toi. Pardon? Tu dois être free. Non, je suis Bouygues là. Ouais, bah, c'est Dis-moi. pareil. Wow, c'est un peu mieux que free, c'est vraiment pourri, tu vois. Bon, regarde juste vite fait parce que je vais arriver chez le prochain client. Donc, je disais que Mohamed Lamine précédemment a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudu an-nas wal hijara. Donc, préservez-vous, oh vous qui avez préservez-vous et vos familles, tu vois. Et il t'a ramené aussi ce que Ibrahim alayhi salam, parce qu'il ne faut pas oublier que les prophètes. Oui, ils ont des révélations, mais les prophètes, c'est des exemples. Tu sais, si Allah il nous a parlé des prophètes, c'est pas pour faire joli, tu vois. C'est pour prendre exemple sur eux et s'inspirer de eux. Notre premier modèle, c'est le prophète sallam, mais les autres prophètes aussi sont un exemple pour vous, pour nous, dans notre vie quotidienne, tu vois. Et tu as relaté ce que Ibrahim a fait, tu vois, c'est de partir et d'avoir laissé sa femme et ses enfants, tu vois. Donc moi j'ai été curieux de savoir comment tu allais argumenter, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, tes arguments, tes réponses, ça a été plus des émotions. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie avec tes enfants et tout, mais moi j'aurais voulu que tu répondes, mais avec des contre-arguments, tu vois. Il a parlé avec Kitab, avec Sunna, avec quelques paroles de savants qui appuient, parce que la parole de ce que les savants ils disent, elle est appuyée par ce que Mohamed Lamine a dit, tu vois, ils ne sont pas sortis ça de leur tête. Mais moi, j'aurais voulu que tu nous répondes, mais avec des arguments. Avec des vrais arguments. Pas avec, ouais, avec des arguments, quoi. Ok, je vais te répondre en te posant une question. Je vais te répondre en te posant une... Moi, je veux que tu me répondes avec des arguments. Mais bon, vas-y, vas-y, dis-moi. Je vais te donner des arguments religieux, je vais pas te donner des arguments philosophiques, cuisine, ou... des trucs par rapport aux... Non, parce que tu as dit des paroles fortes. Tu as dit, ouais, c'est abandon, abandonner sa famille, je sais pas quoi. Ibrahim Al-Hassem, il a abandonné sa famille. Mais non, mais Il a c'est pas pas le même abandonné sa contexte. famille, tu vois. Écoute, Non, mais écoute, attendez. si demain, attends, vite fait, vite fait. Si demain, j'ai une révélation d'Allah Azzawajal qui me dit qu'il faut que je laisse mes enfants et que j'ai une mission à faire, tu vois, mes frérots, je le fais les yeux fermés. C'est pas pareil. Mais Attends, là, attends, tu attends, te attends, attends. consumes Merci, mon religieusement. gars. Tu te Attends, consumes religieusement. laissez-moi finir. Attends Bon, deux secondes, pardon, attends. mais vas-y, vas-y. Attends. Après, le deuxième point, on peut prendre ce verset et le comprendre comme Mohamed Lamine l'a dit. Mais qui nous dit qu'Allah Azzawajal dans ce verset nous dit pas aussi qu'en pensant à nous, il faut aussi penser à nos enfants? Pourquoi est-ce que le vous, il devient individuel au lieu d'être collectif aussi? On pourrait dire Non, ça. regarde, je ne sais pas si tu comprends l'arabe. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u Oui. Ouais. anfusakum wa ahlikum. Il y a le wa, il y a anfusakum, Ouais, vos propres personnes, et vas-y. après vos familles. C'est-à-dire Oui, vos mais attends, enfants, attends, toi, attends, non, et non, après ta attends. famille. Attends, sauver vos propres personnes. Mais est-ce que sauver sa propre personne, c'est fuir et laisser derrière les siens? Sauver sa Non, propre mais personne, c'est quoi? ça Attends, veut dire sauver que sa tu propre personne. commences par toi-même. Je sais Si tu pas. commences par Attends, je sais toi-même, pas, le verset, il est clair. sauver sa propre personne. Attends deux secondes, attends. Bah, attends, je vais te répondre. Sauver sa propre personne, c'est Vas-y, réponds, mais moi je. je te réponds. C'est le repentir, et taouba. Déjà, sans cesse se repentir. Sans cesse essayer ou faire des bonnes actions. Faire ses salats à l'heure, etc. C'est sauver sa personne d'un feu ardent. Tu vois, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça, moi, ce que moi je comprends, c'est ma compréhension, c'est pas avoir la niya de partir et si ses enfants restent là, c'est les abandonner. J'utilise le mot abandonner parce que pour moi, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je continue de comprendre à travers ce que tu me dis. Maintenant, encore une fois, je redis, et ça c'est un argument que j'ai donné tout à l'heure, mais peut-être tu l'as pas entendu celui-là. Si mes enfants sont grands, tu vois, si mes enfants sont grands, par exemple, ils 18 ans, 19 ans, ils font leur vie, etc. et tout.
et que moi je dois partir, mais eux ne peuvent pas, moi je pars. Mais je te parle d'enfants en bas âge. Ziyad. Attends, Ibrahim. Ibrahim, ouais. Je te pose la question dans le sens inverse. Ouais. Est-ce que toi, demain, tu aurais la capacité de laisser, si tu as des enfants, est-ce que tu aurais la capacité de les laisser et de partir faire ta hijra? Je te pose la question. Réponds-moi sincèrement. Moi, je vais te répondre. Au détriment, parce que là, en France, ça commence à être de plus en plus technique au niveau de la pratique religieuse. Si non, pas au niveau de la pratique. Si je vois... Non, mais il y a un contexte. Moi, on est en France. Toi, tu es en France, on est d'accord. Tu es dans ce contexte-là. Ah oui, moi, bien sûr. Donc, moi, je te parle de... Je te donne une réponse par rapport au contexte dans lequel toi aussi tu es, tu vois. Je ne vais pas te... Vas-y. Voilà. Donc, toi, tu es en France, toi, tu ne veux pas abandonner tes enfants. Si moi, je suis dans ta situation-là, dans ta situation, et que je vois que mon din, je commence à le perdre, eh bien, j'applique ce que Allah, il a dit. J'applique un fousakoum. Je me préserve moi d'abord, et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse quelque chose pour ma famille. Si moi, je ne peux pas tirer ma famille... Exactement ça. C'est exactement ça. Franchement, là, c'est chaud. Est-ce que vous l'imaginez, lui, au sahab derrière lui, est-ce que vous l'imaginez partir en laissant Fatima, etc. Est-ce que vous l'imaginez? Mais oui, il l'a dit, oui. Mohamed, que le prophète... Il y a des sahabas qui ont laissé leurs enfants. Je vais te raconter l'histoire d'un sahabi. Mais moi, je comprends pas. Attends. Non, je vais t'écouter l'histoire d'un sahabi. Un sahabi, il a fait la hijra, d'accord? Sa mère, elle s'est mise sous le soleil de la Kaaba. Elle a dit, je ne quitterai pas du soleil de la Kaaba tant que mon fils, il ne va pas revenir. Tant que mon fils, il est parti. Oh, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il est parti voir. C'est sa mère. Ben, attends, pour l'histoire. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il est parti voir toutes ses épouses. Et il a dit, demain, je vais faire la hijra. Celle qui veut venir, elle vient. Celle qui ne veut pas venir, elle ne vient pas. Il y en a une qui a décidé de ne pas venir. Il a laissé, il est parti. Il est parti avec celle qui voulait partir. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a fait la hijra, il avait trois épouses. Il y en a une qui a décidé de ne pas venir, il l'a laissé. Il a dit, moi, demain, je vais faire la hijra, etc. Frère, moi, j'ai lu. Franchement, frère, je suis la vérité. Il y a des compagnons. Je vais aller plus loin. Il y a des compagnons pendant la bataille. Ils se sont battus contre leurs parents. Ils se sont battus contre leurs enfants. C'est ce que j'allais dire. Tu veux quoi de plus? Il y a des compagnons pendant des batailles. Ils se sont battus contre leurs enfants. Tu veux quoi de plus? Mais les frères. Quel est le rapport? Avec le fait quand tu parles de préserver toi. Ouais, mais attends, je peux vous poser une question? Parce que si vous posez une question, on est tous nés en France. Oui. On est nés parce que talent, j'entends c'est Allah qui donne confiance en Allah. Il n'y a pas de souci. Allons-y là-dedans maintenant. C'est grâce à Allah qu'on est en France. C'est grâce à Allah, c'est grâce à Allah qu'on est en France ou pas? Du moins, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte qu'on est en France, oui. On est en France, ouais. D'accord. Mmh. Donc, quand on écoute vos propos, on a l'impression que, pour vous, Allah, il était injuste ou il était juste de nous faire naître en France? C'est la justice d'Allah. Allah, il est toujours juste, mon frère. C'est la sagesse, c'est la sagesse. Non, mais le propos, il tend vers ça. Le propos, il tend vers ça. C'est comme si c'est une injustice et on doit la créer en justice. Mais non. Tout ce que Allah a fait, c'est juste. Attends, j'explique mon propos. Pourquoi il y a autant de débats quand il s'agit de s'opposer et de réfléchir comment construire les choses et qu'on vit avec nos principes, pourquoi quand il y a ça, on dirait que c'est la question à pas poser. Et quand il s'agit de fuir, parce qu'il y a des communautés qui ne sont pas musulmanes, qui ont été persécutées il y a des années, aujourd'hui sont installées. Non.
En fait, on a déjà des modèles en face de nous. En fait, on a des modèles dans notre religion, mais on a des modèles sur le terrain. Mais maintenant, quand il faut réfléchir avec sa tête, ça y est, c'est grillé. Tu vois, attends, excuse-moi, tu restes dans le sujet là ou tu changes de sujet là? Parce que je vois pas où tu vas en venir. Je change pas de sujet. Le sujet, en fait, là, je suis en plein dedans. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la hijra, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, il est où? C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, on peut créer, attention, tout à l'heure, on parlait d'économie tout à l'heure. L'autre, il a parlé d'une économie que les musulmans ont. Il n'y a pas de problème. Non, mais maintenant, attends, c'est regarde, attends, excuse-moi, regarde. Moi, j'ai voulu, tout à l'heure, tu es intervenu, je t'ai laissé intervenir. Là, j'aimerais intervenir avec le frère sujet qu'il a abordé avec ses enfants. Parce que là, j'ai l'impression que tu veux t'écarter du sujet. Donc, excuse-moi, laisse-moi terminer avec lui. Après, tu parleras de tes économies et des gens et tout ça, s'il te plaît. Excuse-moi. Bon, moi, j'aimerais bien que tu m'argumentes, Yacine, s'il te plaît. Viens. Bah, j'ai argumenté. j'ai argumenté depuis tout à l'heure. Mais non, t'as ramené quoi? T'as rien ramené, là? J'ai rien ramené. Mais depuis tout à l'heure, on parle de quoi? On est en train de parler de chips, de caca, on parle de din, là. Je te ramène. Oui, je suis en train de t'expliquer. Qu'on parle de din, mais moi, je veux juste argument, mais qu'est-ce que je peux te dire comme argument? Qu'est-ce que je peux te dire comme argument que moi, en tant que père, jamais de la vie, j'abandonne mes enfants, c'est cette MN. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Les enfants, c'est une MN qu'Allah Azzawajal nous a donnée. Et vous dites qu'on peut. Ton din, c'est une MN aussi, Akhi. Oui, mais ton din, c'est une MN. Ton din, c'est en train de perdre ton din. Tout ce qui est en train d'entourer. Tu es en train de perdre ton din. La amana que tu dois préserver avant, c'est parce que si tu pars ton din, la amana, tu pourras plus la donner à tes enfants. Ça va être la amana religieuse. C'est ça le truc, en fait. C'est que la amana de base, ta religion, si tu es en train de la perdre, tu pourras plus la donner à tes enfants. Ta amana de base, c'est ton ta religion, ça passe avant tes enfants. Ta religion, ça passe avant tes enfants. Si tu es en train de perdre ta religion, tu pourras donner quoi à tes enfants? C'est ça le truc. C'est ça le problème. Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, vous êtes en train de parler dans un cas où je perds ma religion. Mais moi, je perds pas ma religion, alhamdoulilah. Mais non, mais on parle pas de toi. On parle de manière générale. Si la personne est en train de perdre sa religion. Alors attends, maintenant, c'est de manière générale. Non, parce que depuis tout à l'heure, le frère parle de moi, et là, maintenant que je dis. Mais non, il parle pas de toi. Tout à l'heure, quand le frère Yahya, il était là, il a dit qu'il y a des savants, ils ont fait des fatwas, ils parlent de manière générale. Il parlait pas de toi précisément. On parle de manière générale. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va te laisser réagir, mon frère. On parle de manière générale. C'est-à-dire que moi, si tu es en train de perdre ta religiosité, ta religiosité est passée avant. Moi, à titre personnel, alhamdoulilah, je perds pas ma religion. D'accord? Non, on parle pas de titre personnel, on parle de manière générale. Attends. Ah ouais, le frère, il s'adresse à moi. Moi, je réponds au frère, en fait, tu vois. C'est ça. Regarde. Ah, mais moi, alhamdoulilah. Alors attends. Moi, le frère, alhamdoulilah, de manière personnelle, moi, ma religion, je la perds pas. Alhamdoulilah. Il n'y a jamais personne qui a tenté de me faire perdre ma religion. Il n'y a jamais personne qui a tenté de rabaisser ma religion devant moi sans que je le reprenne de voler. Des fois, c'est même allé trop loin. Qu'Allah me pardonne. Moi, il n'y a personne qui, aujourd'hui, est au-dessus de ma religion. Pas même mes enfants. Mais, c'est pas pour autant que si demain, je peux quitter le pays et je laisse mes enfants ici, je le ferai. Ça, c'est hors de question. Ça, dans ma tête, après, tu peux dire que t'as pas d'argument religieux, etc. Ça, c'est la couverture des frères ici en France. Ouais, mais t'as pas d'argument religieux. Mais moi, le truc, c'est quoi? C'est que mes enfants, c'est une MN. Mes enfants, tous les jours, je leur apprends le din. Si demain je me casse, qui va leur apprendre le din? Ça va être encore pire pour moi, le Mekriem. Si maintenant vous êtes pas capable de comprendre ça, c'est votre problème. C'est pas le mien. Moi, c'est ce que je dirais. Regarde, une très courte interruption. En fait, il y a deux choses qu'il faut essayer de comprendre. Il s'appelle Zia, il s'appelle pas Yacine. Non seulement toi, tu étais contre le fait que des personnes, tu concevais pas que des personnes pouvaient abandonner leurs enfants pour leur dîme,
pour la pour en fait, si les mecs ils arrivent, si les frères ils arrivent, ils font la hijra, c'est pas pour des cacahuètes, ils y vont pour Allah et son prophète. Donc ça déjà, toi tu le conçois pas. Et en plus de ça, de sur quoi toi tu les critiques en disant qu'ils ont abandonné leurs enfants alors qu'ils se sont battus. Non, frérot, bah, si, j'ai parlé. T'as dit c'est abandon d'enfants. Comment j'ai parlé. Comment ça on peut faire des trucs comme ça? C'est ça que t'as dit, frère. Moi ça m'a choqué. J'ai parlé de personne. Non. Ils font ça. Attends, excuse-moi. Quand les personnes ils font ça, ils font ça parce qu'ils savent pourquoi ils font ça. Ils font ça avec une IA qui c'est pour Allah et son prophète. Donc si t'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais après critiquer. Mais je critique personne. Personne comme des personnes qui ont abandonné leurs enfants, du genre c'est irresponsable ce qu'ils ont fait. Moi je suis pas d'accord avec toi. Pour de vrai, je suis pas d'accord. Regarde, moi pour clôturer ce débat. Écoute. Et que le mec qui se dit vas-y, Marlich, mes enfants, ma femme, j'arrive pas à les tirer vers moi. Bah vas-y, je pars pour Allah et son prophète. Bah frère, il part pour Allah et son prophète. Mais il faut pas. Écoute, frère, moi regarde. C'est un abandonneur d'enfants, c'est quelqu'un qui assume pas sa. Sa religion, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Non, Amandine, il n'y a personne qui me persécute, t'inquiète, j'ai l'habitude. Mais non, t'inquiète pas. Arrête, c'est ma petite soeur, ça. Je sais. Hey, Amandine, moi, quand j'ai le ballon au foot, au milieu de 4-5 personnes, je les dribble tous. T'inquiète pas. Mais non, c'est pas. Non, mais je rigole. C'est ma petite sœur, elle dit on le persécute. Mais non, on a un débat, on échange. Attendez, je vais essayer de recentrer les choses. Avant que tu répondes. Vraiment, frérot, et après, tu recentres les choses. Moi, je vais clôturer sur ce sujet. Moi, j'ai mon avis. Le frère Ibrahim, il est venu, il m'a donné son avis. Barakallahu fik Ibrahim, qu'Allah te récompense de m'avoir donné cet avis, de m'avoir fait de nasiha. Que moi, je ne vais pas dire que j'accepte pas, que je ne comprends pas. D'accord? Chacun, pour moi, il fait ce qu'il veut. Moi, pour moi, j'abandonnerai jamais mes enfants. Ça, c'est une donnée qui est claire et nette. Il n'y a que la mort qui fera que je serai séparé de mes enfants, Inch'Allah. Tu vois? Toi, si tu penses différemment ou d'autres pensent différemment, je respecte à 2000%. Quand j'ai dit mais abandonner, je n'ai pas parlé des gens. Tu critiques les gens qui le font, tu dis ouais, abandonneur d'enfants. J'ai pas critiqué les gens. Mais j'ai pas critiqué. Non, frérot, fais la différence entre parler d'un acte et parler d'une personne. Moi, je parle d'un acte. J'ai dit abandonner ses enfants, c'est chaud. J'ai pas dit il y a des gens qui abandonnent leurs enfants. Tu vois? Tandis que toi, tu dis qu'il ne peut pas abandonner ses enfants. Moi, je pourrais te dire ça. Tu l'as dit dans un contexte. Moi, le sujet est clos. Le sujet est clos. Barakallahu fik akhi. Vas-y, le frère qui vient d'arriver. Bismillah, mon frère. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, t'entends bien. Ouais, bismillah. Je voulais juste rebondir là-dessus avec le frère Ziyed. En fait, le frère, quand il a sorti ça tout à l'heure, il a sorti une fatwa, mais c'est pour un contexte particulier. Toi, tu l'as pris personnellement, en fait. Et en fait, il y a des gens, je vais vous citer juste un cas que je connais moi-même. Il y a une sœur, elle s'est convertie, elle a divorcé et son mari, il a eu la garde des enfants, tu vois. Elle a patienté des années. Elle a eu beaucoup de problèmes. Il a dit que le sujet, il est clos. J'ai pas compris pourquoi on revient dessus. Non, mais c'est juste un petit exemple. Non, mais... Ouais. C'est juste pour donner un exemple. De dire, vas-y, ferme ta bouche, Ibrahim, je vais te parler, je comprends plus, là. Parce que là, on l'a dit. Tranquille, toi aussi. Ah, oh, vas-y. Okay. Vas-y, bismillah, mon frère. C'est juste pour dire, des fois, il y a des cas. Et donc, la sœur, elle a patienté tout ça. Et pendant plusieurs années, et bah, elle a même pas obtenu la garde de ses enfants. Elle les voyait que de temps en temps. Et ses enfants, ils ont reçu une éducation mécréante, tu vois. Ils sont pas musulmans. Donc, elle a patienté. Et à un moment, elle s'est remariée. Et voilà, elle a fait hijra avec son mari. Et elle a dû laisser ses enfants. Après, elle leur a expliqué, voilà, moi, je suis toujours là. Si un jour, vous voulez me rejoindre, machin truc. Tu vois, il y a des cas spécifiques. C'est pas, faut pas que tu le prennes pour toi-même. Toi, ta situation, c'est pas parce qu'il y a une fatwa qu'elle est adaptée à toi. Toi, faut que tu reviennes au savant sur la tienne. C'est, tu vois, chacun son cas, tu vois. Je comprends. Ah, mashallah. Ça, c'est un très bon exemple que tu viens de donner. Parce que là, quand tu me dis ça, tu vois, moi, je pense, il y a des sœurs, mais il y a une autre sœur comme ça. Il y a une sœur, la femme l'ex-femme d'un ami à moi. C'était une sœur convertie, elle a eu plusieurs enfants. L'un de ses enfants, c'est son père qui a eu la garde. Et ben, l'État français, ils ont donné la garde au père parce que le père, il a fait jouer la carte de radical, etc. Donc, au final,
Elle n'a pas eu le choix, tu vois, elle devait partir, elle sentait que pour sa religion c'était compliqué, elle devait partir et elle a dû laisser ses enfants. Ça veut C'est dire que ça. ces gens-là, ils font quoi? En fait, ce n'est pas de l'abandon, ils ne le font pas par de gaieté de cœur. Ils sont tristes pour leurs enfants. Et au bout d'un Ouais. moment, tu es dans La sœur, elle s'est fait des l'incapacité. années, elle a essayé, mais à un moment, elle Tu es dans pouvait plus. l'incapacité. Tu es dans l'incapacité, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui le font, ils ne le font pas de gaieté de cœur, j'aime mes enfants, tu vois, ils le font avec tristesse, mais ils sont contraints, la situation, elle est plus forte qu'eux. Non, barakallah. En tout cas, Bref, Kamal. je pense qu'on arrive, je pense qu'on arrive sur la fin. Moi, je vais conclure après. Il y a Ouais. l'autre Vas-y, 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 frérot, dis-nous. Bah écoute, Baraklaoufik, frérot, pour ce débat. Je pense qu'on pourra se refaire. C'est très intéressant. Faut savoir une chose, c'est que C'est un sujet bouillant là, je voilà. C'est bouillant, passionnant, frère. passionnant. Passionnant. Donc voilà, moi je voudrais remercier tous les frères qui sont intervenus, hein, même ceux avec qui j'étais pas d'accord. Moi j'ai toujours dit c'est dans j'arrive à mieux m'entendre avec les gens avec qui je suis pas d'accord qu'avec les gens avec qui je suis d'accord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est vite même c'est chiant. Donc barakallahou mon frère qui sont intervenus. Voilà, moi mon avis il est clair pour clôturer tout ça. Mon avis il est clair, c'est que le musulman peut pratiquer sa religion en France. Le seul truc qu'on l'empêche de faire, c'est de s'organiser en jama'a. Voilà. Si on arrive à s'organiser en jama'a, on est pris en quatre, tout simplement. Et on va y arriver, Inch'Allah. On y arrive. Donc voilà. Vas-y, les facilités. Un dernier point. Demain sur ma chaîne, à 19h, sur ma chaîne YouTube, j'ai un live où Mohamed Labid sera avec moi aussi, avec le frère Ousmane Badara, ex-Alpha 520, l'ancien rappeur. Et on va parler du problème qu'il y a entre les Maghrébins et les Noirs de France, les musulmans. Les musulmans Maghrébins de France, c'est quoi le problème? Donc encore une fois, ça va être un sujet qui va être bouillant. Va être passionnant. Et on aime la polémique. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, YouTube Radio Principe. Et donc voilà, demain 19h, ça va chauffer. Donc voilà. Vas-y, Barakallah, fais que Zied. Les frères, vous voulez dire quelque chose, les frères, avant qu'on coupe? Moi, je veux juste Ibrahim, dire, t'es là. chacun, il choisit sa route. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont dans le désert en Mauritanie, par exemple, tu vois. Et leurs enfants, ils vont obtenir beaucoup de dîn. Des Français, hein, je parle, des mouhadjirs. Mais niveau dounia, c'est sûr qu'ils ne seront pas ingénieurs ou architectes, tu vois. Qu'en France, certes, les enfants, ils vont obtenir beaucoup de dounia, beaucoup de trucs. Mais niveau dîn, Allahu Ah, c'est ça le problème. Mais de bon, toute façon, Kalou va nous dire que. tu peux pas avoir les deux, hein. Soit c'est dîn, soit Non, c'est c'est dounia. ça. C'est Kalou va ça. nous dire que la plupart au bled, ils sont égarés, On salue aussi le frère Kalou. Aïe, Allah Oustad. Bon, les frères, en tout cas, Assalamu Khalifa alaikum. Céline, c'était un bon live, même si ça a chauffé un peu. Le mot de la fin, le mot de la fin, le mot de la fin. C'est important de dire le mot de la fin, c'est que on a des divergences. La communauté musulmane, c'est comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans les hadiths, Man yarishu minkum celui qui vivra après moi, il verra énormément de divergences. Et là, nous, on le vit actuellement, il y a énormément de divergences dans la communauté musulmane. L'essentiel, c'est d'essayer toujours de se comprendre, d'essayer toujours de, voilà, d'être dans la compréhension. Tu vois, moi, les frères, pour moi, vivre en France, on va dire que pour moi, c'est pas possible. Mais maintenant, si les frères, eux, ils voient que pour eux, c'est possible, je respecte ça. Et voilà, je leur dis, bah, écoutez, faites-le à fond, quoi, ce que vous voulez le faire. Vous voulez vous organiser en communauté, vous battre, etc., pour que les choses, elles s'améliorent pour les musulmans. J'ai toujours dit, c'est un projet qui est noble. C'est un projet qui est noble. Donc, à l'âge, je vous facilite dans ça. Moi, pour ma part, j'ai décidé de me battre pour essayer
d'améliorer les pays musulmans. C'est ce que j'essaie de faire au Maroc. J'ai monté une petite association. On essaie d'aider les migrants, etc. Inch'Allah. Et voilà, donc chacun, l'essentiel, c'est que le musulman, il essaie d'être productif. Donc voilà. C'est simple, le truc. Alors, Donc, y a des gens qui posent la question pour le live de ouais. demain, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est Radio Principe. Je pense que Mohamed Lamine, demain, il mettra Il faut que tu m'envoies le, faut que tu m'envoies, il y a un lien. Faut que tu m'envoies le lien de ta chaîne Ouais, YouTube, un truc j'enverrai comme le lien ça. de. J'envoie le nom de la chaîne, quoi. En tout cas, c'est Radio Principe avec un S à la fin de Principe sur YouTube. Ouais, ça va, Mike. D'accord. Les Bon, les frères, frères. bah, là, demain 19h sur la chaîne du YouTube du frère, il y a Radio Principe, Inch'Allah, live sur le racisme intercommunautaire qu'il y a entre Arabes et Renois. C'est quoi le problème? On va essayer, Inch'Allah, de Entre parler de ça, Inch'Allah. musulmans, Donc, maghrébins et noirs, c'est même encore plus profond. musulmans, maghrébins, noirs. Donc, voilà, soyez là, Inch'Allah. Allez, on se dit à demain. Ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Salam.